Hey, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ultra illuminée. Aujourd'hui, je te présente ces barres lumineuses qui vont changer ta vie. Tu vas pouvoir les transporter. Elles sont sans fil, 2 heures d'autonomie. Je te présente les sticks de chez Neewer. Ce sont les Neewer TL60 Stick RGB. Et comme tu peux voir, c'est entièrement transportable et tu pourras franchement halluciner, améliorer ton setup. Si tu es youtubeur, si tu es tiktoker, eh bien ces barres lumineuses vont améliorer directement tes vidéos, voire même ta maison. Tu vas pouvoir avoir du RGB partout dans ta maison. Tu vas pouvoir les transporter où tu veux pour t'éclairer là où tu veux. Allez, tout de suite, on va les déballer. Je te les présente, je te montre comment on les connecte. Elles sont compatibles iOS, Android. C'est parti! J'en avais vraiment besoin pour vous, pour moi. J'en avais un réel besoin pour avoir un meilleur éclairage. Les toutes nouvelles lampes tubes de chez Neewer. Neewer est un spécialiste des studios. Je vais vous présenter les Neewer TLS60. Alors, qu'est-ce que les TLS60? Ce sont donc des tubes qui vont avoir une multitude de couleurs, une multitude de possibilités en termes de setup. Et je peux vous dire que le package, comme d'habitude, chez Neewer, c'est du ultra premium. Et pourquoi j'ai besoin de ces tubes? C'est pour vous, c'est pour vous présenter les produits dans de meilleures conditions, avec un éclairage parfait. Vous pouvez voir derrière, on a des effets spéciaux ultra géniaux. On a ici par exemple l'effet police. Vous pouvez donc les suspendre, vous pouvez les poser sur pied. C'est donc un produit que vous allez pouvoir utiliser de chaque côté de votre téléviseur en soirée si vous voulez l'utiliser dans votre bureau pour une lumière parfaite. Équipé d'une batterie de 3000 mAh, vous aurez plus de 2 heures d'autonomie sans avoir à les connecter. Vous allez donc pouvoir les transporter comme je le fais ici. Et on va pouvoir tout simplement, ici à l'arrière, avec un panneau de contrôle, faire pas mal de choses. Mais avant tout, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne, de me rejoindre, de mettre un grand j'aime sous cette vidéo, de partager cette vidéo, et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de tube, qui est vraiment, vous pouvez voir ici, j'ai changé tout simplement la luminosité, puisque derrière, on a un pavé tactile qui permet de mettre différentes lumières qui peut s'adapter suivant certaines déficiences visuelles. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Place au déballage du TLS60 de chez Neewer. C'est parti! Voici donc le package. On va l'ouvrir ensemble et vous allez déjà être très surpris. Il y a une option qui n'est vraiment pas négligeable. Ce genre de tube peut être vraiment utile si vous êtes par exemple youtubeur, si vous faites des TikTok. C'est vraiment ce genre de lumière qu'il vous faudra. Allez, on déballe, c'est parti. Voilà donc déjà la première surprise. Vous pouvez voir qu'on a directement un sac de transport avec des poignées marquées la marque Neewer. Et ce sac de transport, il est vraiment super classe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez voir que on a vraiment un package ultra premium avec ce sac de transport. Vous allez pouvoir transporter vos tubes en toute sécurité. Ils seront directement mis à l'abri. Ils seront transportables si vous partez en vacances et vous avez besoin de lumière. En plus, comme vous pouvez voir, complètement autonome. Il n'y a aucun branchement. Et vous allez voir que à l'intérieur, il y a quand même des petites choses super intéressantes. On l'ouvre et je vous montre à l'intérieur ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le package? On va dans un premier temps retrouver le petit dépliant avec tous les codes QR que vous aurez, puisque vous allez pouvoir faire fonctionner ces tubes avec une application dédiée. Donc ici, on peut voir que tous les codes QR sont présents, dont le code QR pour iOS, iPhone, et le code QR pour Android. Vous allez pouvoir télécharger l'application Neewer. Voilà pour le premier document. Deuxième document,
pour utiliser donc vos tubes ou votre tube, vous aurez donc tous les renseignements en français. Dans une petite fermeture éclair, on va retrouver notre tube avec une petite protection enlevée ici, tout simplement. Et vous avez donc votre tube ultra cali, comme vous pouvez voir, avec à l'arrière un panneau tactile, une rangée de 6 boutons, donc 3 boutons sur le haut, 3 boutons en bas, et 2 molettes pour l'intensité et pour le changement de lumière. Sur le dessus, vous retrouverez 2 prises RJ45 pour les connecter directement à Internet et les gérer par DMX. Donc franchement, ils sont hyper quali. C'est du vraiment solide. Très sympa. On va retrouver ensuite la connectique propriétaire. C'est une connectique de type européenne. On va retrouver un câble RJ45 tout simplement. Et on va retrouver donc un câble en fer que vous allez pouvoir visser grâce à la petite pince que vous allez pouvoir mettre sur votre tube. Neewer a tout prévu. Vous pouvez donc suspendre sans problème votre tube. Et donc on est sur un câble en fer. Et pour terminer, on aura le reste de la connectique pour aller connecter la Neewer TLS60. Je vous l'ai dit, une autonomie de 2 heures. Une fois que vous l'avez branchée, elle a une batterie de 3000 mAh. Ce qui veut dire que vous avez 2 heures d'autonomie. Vous pouvez la recharger et vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Voilà donc pour le déballage, on va passer maintenant à l'application et au fonctionnement de la Neewer TLS60. Si vous voulez donc rapidement aller ranger et transporter, si vous partez en vacances, votre tube est protégé et vous pouvez partir directement avec votre petite sacoche. Si vous voulez faire une petite fête, eh bien le sac de transport est vraiment super. Allez, je vous montre l'application, je vous montre comment fonctionne les Neewer TLS60, c'est parti. À l'arrière du tube, on va donc retrouver une petite plaque tactile pour modifier la luminosité et le niveau de couleur. Donc il y aura tout simplement à faire glisser le doigt. Cette bande tactile fait à peu près 3-4 cm de longueur et à peu près 1 cm de largeur. Donc vous faites glisser votre doigt dessus et je vous montrerai tout à l'heure comment on peut changer le niveau de couleur et de luminosité. Juste dessous, on aura donc un petit panneau de contrôle avec ici le bouton de marche arrêt, le bouton pour le Wi-Fi, pour connecter les tubes entre eux, et vous aurez donc d'autres boutons pour modifier les différents modes. Ici, on aura donc 2 petites roulettes. Celle-ci va être aussi pour gérer les différents modes, pour sauter des différents modes, gérer les modes selon votre besoin. Et la dernière petite roulette ci-dessous sera donc la petite roulette pour modifier l'intensité de la lumière jusqu'à plus de 1730 lux, ce qui est vraiment énorme. Et vous allez voir que 2 tubes l'un à côté de l'autre, par exemple à côté d'un téléviseur, dans une pièce, sur un bureau, sur un setup. Allez, je vous montre comment on appaire tout de suite le tube à l'application Neewer. Vous vous dirigez sur le Play Store ou directement sur l'App Store pour aller télécharger l'application Neewer. Une fois ceci fait, on va donc ouvrir cette application. Pour utiliser cette application, il faudra donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide pour avoir un compte Neewer. Vous arrivez sur cette page, vous appuyez 5 secondes sur le bouton au milieu de la première rangée pour mettre le tube en mode appairage. Une fois ceci fait, il n'y a pas de problème. Le tube va se mettre en mode appairage Bluetooth. Quand vous l'avez mis en mode appairage, on appuie sur le bouton plus. Et ici, on s'aperçoit, notre tube RGB apparaît. On le valide. Tout en bas, on valide sur le bouton je valide. On voit donc qu'un appareil a été ajouté. On valide sur le bouton et là, on peut voir que 2 appareils sont présents. Je peux maintenant, avec l'application, allumer ou éteindre mon tube. Et je peux rentrer dans les différentes fonctionnalités
Et je peux, comme vous voyez, avoir accès à toutes les possibilités de couleurs, de jeux de couleurs, avoir accès à la caméra. Ici, je peux jouer sur le bleu. On peut changer la couleur du tube. On peut changer la luminosité. On a vraiment accès à toutes les fonctions que l'on désire pour améliorer. Donc, comme vous pouvez voir, on peut éventuellement émettre des jeux de scène comme ici. On va pouvoir mettre de la musique, par exemple. Et vous voyez ici, quand je parle, le tube change de couleur. Ça, c'est vraiment super chouette, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On peut augmenter les différents modes. Ici, le mode police. On a plus de 18 modes de scène. Vous voyez, on peut mettre du stroboscope. On peut mettre des effets très sympathiques, des effets de scène vraiment sympas. On peut vraiment, ici, effet stroboscope. Attention les yeux, les amis, ça peut faire mal si vous êtes allergique au stroboscope. Voilà, donc des jeux de scène vraiment très sympas. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Je vous mets donc tous les liens en description. Actuellement sur le site, vous avez 30% de réduction sur l'Anywhere TL60 SICK RGB. Donc n'hésitez pas à aller voir. Franchement, ça peut vraiment valoir le coup. Si vous voulez donc améliorer l'intérieur de votre maison, si vous voulez mettre du RGB partout, ces sticks sont vraiment les meilleurs puisque vous savez que Neewer, c'est vraiment les spécialistes de la vidéo. D'ailleurs, c'est devenu mon partenaire en tant que luminaire. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager cette vidéo, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt sur la chaîne Vision et Tech. Allez, et surtout, prenez soin de vous. Salut à tous!